Hey, salut YouTube, je suis en train de te pourrir les oreilles et les miennes par la même occasion. Je dois avoir un retour en trop, c'est pas grave, le son va être dégueulasse chez toi. On va reprendre notre partie et on va continuer nos aventures sur Dark Souls. Lors du dernier épisode, nous avions traversé cette petite forteresse et nous avions beaucoup souffert. Puisqu'on avait terminé la traversée. Mais bien pire que ça, nous avions oublié. Nous n'avions pas trouvé de point de passage surtout. De bonfire. Alors, si je me rappelle bien, il y a un méchant par là. Voilà. Que nous allons subtilement attirer. Coucou. Aïeux. Bon, il me semble qu'on a un anneau de régène. Ça devrait nous tirer un petit peu de la situation. Mais ça va pas nous priver d'être un petit peu prudent. Alors, le deuxième, il est là-bas. Vas-y, fonce tête la prière sur moi, c'est une super idée. Aïeux. Touché. Voilà. Bien évidemment, j'ai fait une erreur stupide. Je reviens et il faut que je ramène le chat, quoi. Sous forme de mon téléphone. Évidemment. Un jour, j'aurai un deuxième écran. Mais pas aujourd'hui. Voilà, qui est mieux? Où on était? Oui, petit escalier. Tout en haut, les balanciers de l'enfer. Il y a des brumes étranges. Tiens, il y a un sorcier là-bas. Un truc qu'on n'a jamais pu récupérer. Alors, les balanciers, c'est fait. Lui, il nous balance ses boulettes. Aïe. Oui, bonjour messieurs. C'est un échec. Et c'est la mort du joueur français. La 52e. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas remis ce petit compteur de mort à jour. Nous voilà à 52. Voilà. Histoire de bien commencer l'épisode et de se remettre en forme. J'ai mon stick gauche qui colle un peu. Il n'était pour rien dans cette mort, mais. Ça colle un peu. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon mec, mais. Je préfère ne pas m'en souvenir. Alors. Gna. Oui, d'accord. Ne pas rester sur le passage. Oh, il m'a vu venir. Cesse de bouger. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Bon. La traversée du donjon. Deuxième. Pour la journée. Alors, hop. On va tirer notre. Aïe!
Ouais. Bon, dernier épisode, on avait réussi à atteindre le golem. Là, je pense que si on arrive à passer le premier ennemi, c'est déjà pas mal. Va se remettre dans le rythme. Si seulement il y avait une espèce de raccourci. C'est pas l'eau. On va tirer le message là-bas. Genre, t'as pas déclenché le piège. Du coup, une tabasse à l'ancienne. Bouge de. Ah. Une barre de sang, on s'en fout. C'est fait. Ouais. De toute façon, plus on meurt, plus on récupérera de d'âmes en les retrouvant. Encore faut-il les retrouver, bien sûr. Et donc, plus on sera fort. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Le petit saut. Surprise. Bon. On va pouvoir s'occuper du gros monsieur en haut. Voilà. Alors, il y avait quoi? Ah oui, il y avait lui. Il y a Jojo le Mago là-bas. Là-haut, pardon. Je bafouille. Si vous l'aviez pas encore compris, je sais pas parler. Allez, par là. Faisais pas ton timide. Voilà. Il y avait un truc à ramasser là-bas. Je sais pas comment y accéder. Il y a deux gros vilains qui nous bloquent l'accès. Oui, donc c'est pas par là. C'est par là. Il y en a un qui va nous attendre là-bas, en gros. Ils sont chiants parce que j'ai une grosse allonge. Ça m'énerve parce que retourne dans mes oreilles. Ah oui. Bien sûr. Évidemment. Il
Voilà. Tant que tu nous avais habitués avant. Enfin, pas d'un seul coup, quoi. 54. C'est parti. Je reste frais. La manette commence à décoller de plus en plus. Donc oui, je joue encore sur une manette de Xbox 360 un petit peu vieillotte que j'ai depuis un bout de temps. Et je ne suis pas le mec le plus respectueux et calme avec son matériel. Ok, donc on a très mal commencé. J'irai jusqu'à dire qu'on a fait de la merde. Et qu'on continue. Très très généreux avec le backstab. La 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 la. Une fiole d'astuce utilisée pour de la merde. T'es pas là toi. Bah t'es où copain? Tu as décidé de choir de précipice ici? Va falloir que je règle ce retour, c'est extrêmement perturbant. Du coup j'ai pu parler. Ce qui était déjà pas mon fort à la base, mais... Parce que du coup, il y a un petit décalage, donc du coup, quand je parle, j'entends mon retour, mais avec quelques instants de décalage, et donc du coup, c'est horrible. Bravo, oublie la défense. C'est pas comme si ça servait. Lui aussi il est pas là, c'est marrant. Quelque chose me dit que je vais passer là. Ah tiens, si t'étais là. T'as juste clippé dégueulasse. Timing pas bon. Il n'y a pas de safe spot en plus. C'est vraiment timing super serré.
vous quitter la suite. Par là. Au hasard. Aïe. Je m'attendais à l'enchaînement de la mort, à me faire pousser dans tous les sens. Pas de place derrière. Ils ont de la longe, ces enfoirés. Non mais jamais. J'ai oublié de regarder derrière. Évidemment. C'est ce qu'on appelle faire le teubé. Oh là là. Quel manque de concentration. Ridicule. Ah, il est là. Il est parti en boss pipi. Vire-moi ce lock. Ouais bah tu m'as remis les vidéos. Ah ça m'énerve ce son. Mais de où t'es pas mort? Bon tiens. Va falloir que je règle ça tout de suite hein. Enfin tout de suite dans quelques instants.
Ouais, tu fais ce que tu veux. Et ne me dis pas que t'es pas mort. Même si le décompte de mes âmes me dit qu'il n'est pas mort. Bravo Joséito. Bon donc, te revoilà. Ok, très bien. Ça compte 6, pas 5 plus 6. J'aimerais que ce soit 5 plus 6. Mais bon. On va dire que c'est pas mal. C'est moins bien que les passages précédents en tout cas. Pas concentré. Tiens, pour la peine dans le 2. Je pensais pas m'en tirer en me battant sur cette poutrelle. Puis en mourant comme une merde. Bon, attendez. Faut déjà que je règle mon micro parce que le retour est trop chiant. On va faire ça. Super, vous n'avez plus le son du tout. Et si je parle comme ça, vous l'avez en double. Comme ça, ouais. Bon, tant pis, on fera avec. On était où? À 57. Bien sûr. Of course.
Bon. Pas très efficace pour l'instant cette run. Hein. J'irais même jusqu'à dire. Toute pourrie. Par contre, j'ai plus de décalage sur le micro, c'est vachement plus agréable. Je sais pas pourquoi j'en avais un. Ça donnerait presque envie de rusher pour récupérer mes armes. Mais l'histoire a prouvé que c'était une idée de merde. Et surtout que les armes elles sont déjà récupérées. Suis toujours pas mort. Hein. Ah, si. Bon. Concentration un peu. C'est là qu'on voit que la répétition c'est pas mal parce que j'ai fait un beau break depuis quelques semaines. Ce qui fait que je ne l'ai plus du tout dans les doigts et donc je fais de la merde. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça s'est pas vu venir que j'ai eu le backstab. C'était d'une discrétion absolue. Du coup, on sait qu'il y a des gros monsieur méchants en bas, mais je sais pas comment y accéder en fait par la voie normale. Je peux avoir un truc au bout là-bas. Non, visiblement non.
J'ai cru qu'il allait me repousser sous la lame, auquel cas j'aurais été contrit. C'est moi qui en puisse dire. Barre-toi. Des moments, je fais des dégâts un petit peu plus pourris, je sais pas pourquoi. Il y a probablement une explication logique et rationnelle à tout cela. C'est bon. Poursuivons. On peut le tirer comme ça aussi, c'est pas mal. Et bien sûr, il ne le planche pas ce piège à la con. Après tout, pourquoi le ferait-il, bien sûr? Aïe! Bon, on a progressé. Pas beaucoup, mais on a progressé. Il y a le magot en haut. Je crois qu'il y a un autre José en bas. Occupons-nous-en. Ça évitera les éventuelles mauvaises surprises. Bien te calmer. Pourquoi est-ce qu'il a pas fait son enchaînement? Je ne sais pas. Bon! Du coup, je crois qu'on n'est pas très loin de la sortie de ce petit coin. Fort peu agréable. Ah, j'avais oublié ça. Bien sûr, bien sûr. Adios, muchachos. Merci. Alors là, non. On est arrivé là. Ok. Nous voilà sur les toits. Et ce qu'on appellera communément la zone de bombardement.
de cette saloperie de golem. Couché, Raoul. Là, il y a un feu de camp en bas. Comment on descend? Peu importe. Easy. Par contre, je sais pas quoi on monte. Ah d'accord, ça nous ramène là. Intéressant. Alors, lors de notre dernière exploration, nous avions vu qu'il y avait moyen de se taper le gros qui balance des trucs de feu. Parce qu'il était très embêtant. Il y a un arbalétrier au-dessus qu'on entend. Il y a un gros monsieur qu'on va essayer de backstabber tranquillement. C'est raté. Un peu loin là. Non, bah là, tu rêves. C'est pas la fête à nœuds ici. Hein. Il y a une échelle ici qui nous amène je ne sais plus où là-bas. De coffre. C'est le gros golem des portes. L'église. J'aimerais bien savoir s'il y a un raccourci déjà. Et comment accéder aux étages inférieurs de la forteresse de Seine, puisque visiblement, pardon, il y a des niveaux inférieurs sur lesquels nous sommes, dans lesquels nous sommes tombés plusieurs fois, mais sans trouver vraiment de passage. Je crois que je vais me prendre une truc dans la gueule. Hop. Une titanine charge, ça se prend. Rien. Passage secret peut-être? Non. Je suis à peu près sûr d'avoir déjà tenté le truc. De le tenter le coup, pardon. Je sais plus parler, c'est vraiment horrible. Par là, c'est d'où je viens. Là, il n'y a rien non plus, hormis un gling contre le mur. Ici, il n'y a rien. Hormis un trou. Alors, il y a Arbalet Boy qui est en train de nous enligner là-bas. Qui pourrait trop rien faire. Là-bas, c'est l'accès au golem. Et là-haut, c'est son pote qu'on va essayer de se faire.
Bah ouais, bien sûr, hein. Évidemment qu'on se fait cogner à travers le mur. Vénère tranquille. Voilà. Une titanite, c'est pas mal. Le gros i là-bas. Bon, on va essayer de se faire le boss. Sans doute qu'il nous balance des trucs, ça va déjà être un petit peu mieux, je pense. Allez. Ok, donc tu balances des trucs. T'as une grosse allonge. Et il y a des trous! Il y a des trous! Bon. Allez. C'est pas grave, on a avancé, et c'est déjà ça. Lui là, bon, on s'en fout en fait. On s'en fout aussi. Du coup, le gros du dessus, est-ce qu'il a repop? Non. Du coup, on peut se taper direct le golem. Objectif, récupérer nos âmes et faire attention à ne pas tomber dans un trou cette fois-ci. Ah bon, je suis pas sûr de tomber par là, mais soit. On va dire que ok. Raté, mais... Je sais pas comment tu rates un truc aussi gros corps à corps, mais bon, soit. Allons-y. Ouch. Je pense que si le gros monsieur m'attrape, ça va piquer. On va aller refaire un petit peu le rectumish. C'est toujours mon endurance, tiens.
Le plan est toujours de ne pas découvrir ce qui se passe quand il nous attrape. Aouh, chat, ça pique. On demande la précision à l'appel. Débius. Pour l'instant, ça va. Bien sûr, dans cette phrase, le mot important, c'est pour l'instant. Quelque chose qui va se réveiller, qui va être de mauvais poil. Bon bah si on continue comme ça on est pas mal. Voilà. Bon c'était pas le boss le plus dur. Cœur du golem de fer. Petite cinématique. Vous êtes pas belle. Et vous avez pas l'air sympa. Hello Bensi, merci. Quel courage de stream Dark Souls. Ouais mais j'aime être humilié. Oh c'est joli ça. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suppose que tu connais déjà un petit peu le jeu. Il y a tellement peu de joueurs. Bah en fait la plupart des joueurs que je vois sur Dark Souls c'est des gens qui le connaissent pas mal. Donc là, bah, je découvre un petit peu. On a déverrouillé le succès un Orlando. Et ma foi, la bourgade a l'air bien plus accueillante que Undeadburg. J'ai fini Bloodborne il y a quelques mois. Félicitations. J'ai vu, je crois que c'était Crane qui avait streamé Bloodborne un peu. Ça avait l'air très sympa. Et il faut que je me fasse les Souls. Donc j'ai décidé de commencer logiquement par le premier. Je viens d'acheter Dark Souls 3. Ouais, il y a moyen de le trouver maintenant à vil prix. Et bonjour à toi, gros monsieur qui a l'air fort peu sympathique. Tiens. T'as 50 000 âmes et le truc que tu colles, c'est un ennemi, bien sûr. Oui, t'as un ennemi. Je sais même pas pourquoi je me suis posé la question. Aïe. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'atteindre un... Oh putain! Un feu de camp. C'est moi ou je t'ai rien fait? Ah oui, quasiment rien, super. C'est comme si j'étais pas là. Aïe! On a avancé,
On est arrivé à Orlando et si on retrouve nos âmes, on retrouve nos âmes. Donc, on garde la pêche. Après, du coup, de toute façon, puisque tu disais que tu hésitais à commencer avec Dark Souls 1 et 2, il n'y a pas de grosse continuité dans l'histoire de ce que j'ai compris. Donc, tu peux ne pas commencer par le 1 sans que ça pose problème. Après, je pense que les mécaniques du 1 ont quand même un peu vieilli. Même si honnêtement, ça reste un bon jeu, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, l'objectif à terme, c'est de finir les 3 Dark Souls, au moins. Donc, on va s'éclater comme des oufs. Comme des petits fifous. Et ouais, souvent, donc sur Twitch, je vois des gens qui font des runs en connaissant déjà le jeu. Comme je disais, et pour ma part, je l'avais commencé, mais j'ai jamais eu le courage vraiment d'avancer dedans. Je suis pas un mec très patient à la base. Une titanite et une grosse titanite que je prends. Du coup, Gerwi, il me ramène en haut. Comment ça se passe? Oui. Si je peux. Non, on va pas voir la cinématique à chaque fois quand même. Merci. Bon. Donc, on a retenu une leçon importante. Quand on approche des gros monsieur en armure, ils le prennent mal. Et ils nous défoncent. Alors évidemment, la curiosité me pousse à savoir combien est-ce qu'il rapporte. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Non. On va voir jusqu'où on peut aller. Alors, il y a des gros monsieur là-bas en face. Une terrasse. C'est joli. Hein. C'est. Changement d'architecture. Ah, il y a un beau petit bâtiment là-haut. J'espère qu'on peut y aller. Moi, après, j'aimerais bien pouvoir trouver un moyen de retourner à la forteresse de Seine pour finir d'explorer ce que j'ai pas exploré. Petit belvédère. Méfions-nous de ce genre de choses. Voilà. Ok, donc c'est une descente, c'est un ascenseur. Grâce à mon ultra instinct, j'ai pu éviter cette descente qui m'aurait mené je ne sais pas où. Ok, donc là-bas il y a un garde aussi. Là j'ai vu qu'il y avait plusieurs dans le. Dans le bidule. Mais il y a des coffres derrière eux. Ah bah. Nul fait de camp. Mais il est là. Oh, il y avait même un Jean hein, qui parlait. On va d'abord se reposer. Et monter le niveau. Allez, vraiment. Résistance. Oui. Dextérité, c'est donc 2 points. 2 points. 3 points de résistance pour être beaucoup plus solide. Petit peu plus de vie, je suis pas contre. Allez, ça va être un level up. À thème défensif. T'es qui, toi? Eh bien, tu es un visiteur rare. Bienvenue à la cité perdue d'un Orlando, le mort vivant choisi. Si tu cherches le forteresse de Lord Gwyn, sors et descends et va tout droit. Si tu le choisis, une révélation devrait arriver. Ce qui se passe après ne dépend que de toi. Je peux renforcer ma flasque d'estus, mais je n'ai pas de Firekeeper Soul, c'est con. Et je ferai Dark Souls 3 puis Sekiro, je pense, il me tente trop. Ouais, Sekiro a l'air vraiment cool. Ça va être une bonne évolution du système. Je crois qu'il a gagné le jeu de l'année, mais. Eh bien, elle est une gardienne du Bonfire. Si ce n'est pas pour moi, qui aurait-il comme signaux dans cette cité perdue? Un gardien de porte et un guide, c'est mon devoir. Très bien, très bien, très bien. Donc ici, nous aurons une Firekeeper, c'est bon à savoir. Oui, donc Sekiro qui a gagné le jeu de l'année, il me semble, au Game Awards.
Je pense que ça va être mérité, en tout cas le peu de... que j'en ai vu. J'ai vu quand même quelques streams à ce sujet, ça avait l'air très très tentant. Bonne atmosphère et tout. Tiens, ben, puisqu'on est au Bonfire, on va se faire une petite pause. Du coup, YouTube, je te dis à la prochaine. Twitch, ne quitte pas, c'est une pause technique. Bisous!